Bonjour à tous et bienvenue dans le JT d'Armentières du mercredi 19 juin. Au sommaire de cette émission, retour sur la labellisation et le tournoi district des SOA Basket et l'inauguration du terrain de tennis du club Léo Lagrange, les événements à venir avec l'agenda et la météo de cette semaine. Mais tout de suite, place à l'actu. Ce fut un week-end riche en émotions et en animations pour la section basket des sports ouvriers armentiérois. Tout d'abord, le club a reçu le label fédéral, école française de mini-basket, vendredi 14 juin au sein de l'hôtel de ville pour les trois prochaines années à venir. Puis, samedi 15 et dimanche 16, les SOA ont organisé leur championnat district terrien au complexe sportif Léo Lagrange, durant lequel ils ont affronté plusieurs équipes de la région. En présence du directeur régional adjoint à la jeunesse et au sport et du maire d'Armentières, la section du club Léo Lagrange a inauguré le court extérieur Alain Grimelpont samedi 15 juin. Un bel équipement qui contente les 250 adhérents du club et qui, par la même occasion, rend hommage à Alain Grimelpont, ancien président de l'association pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, de 14 à 17 heures, des avocats, notaires, huissiers et autres professionnels du droit proposent gratuitement leurs conseils concernant des litiges de la vie quotidienne pour la Journée nationale d'accès au droit. Rendez-vous à la Maison de Bosque. Comme tous les 21 juin, la ville fête l'arrivée de l'été en musique. Une scène se trouvera au quartier Saint-Roch, l'autre à Léo Lagrange. Les concerts débuteront dès 19h. Merci de nous avoir suivis, nous vous souhaitons une bonne semaine et à mercredi prochain.